président République là, Jovenel Moïse, visité samedi 17 mars là, plusieurs projets caravane changement qu'a réalisé dans le département sud. Synergie institution contrôle yo, un facteur important pour améliorer gestion publique. C'est sous thème ça, inspection générale finance organisée vendredi 16 mars là, yon colloque dans Port-au-Prince. Commission spéciale qui travaille sur amendement constitution organisée vendredi 16 mars là, yon séance travail à plusieurs organisations femmes dans cadre consultation sous projet amendement maman loi pays. Bonsoir tout le monde, jeudi c'est lundi 19 mars 2018. Bienvenue dans le journal Mitan Junior sous télévision nationale d'Haïti. Qui j'ai en condition temps hier pour jeudi à, c'est Kounia collaborateur non Wilner Polidor. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble encore jeudi à. Nous c'est lundi 19 mars 2018. En début de semaine, nous souhaitons avec chaque monde une bonne semaine avec la météo. On a voir comment condition météorologique là pendant week-end n'te gen la pluie et li possible pour gen la pluie non seulement jeudi à mais au cours de semaine là parce que en week-end dès vendredi pour gen un front ta supposé rivé sous nous, on a comment ça est pour jeudi à. Nous gagnons une zone de basse pression qui trouve vraiment sur Amérique du Sud et prolongement li Jean Noël là li créé un creux de surface au niveau de l'Amérique là, ça veut dire au sud de République d'Haïti, gagnons une faiblesse là qui vraiment a provoqué une situation qui instable sous région sud pays d'Haïti. Ça veut dire n'a pas avec un temps qui nuageux au cours de journée là. Et a gagné la pluie qui était possible sous région sud pays d'Haïti, ça veut dire département grand sud sud-est Nip et puis l'ouest, c'est même qu'a gagné activité la pluie pour jeudi à soir et au cours de nuit là, c'est des averses modérées qu'a gagné sous région que nous saute cité Layo. Pour capitale avec zone qui environ son capitale qu'a gagné qui nuageux et nuage ça va persister en journée pour bailler la pluie en soirée et au cours de nuit là, mais faut que nous préciser quartier qui en zone sud capitale là plus gain plus possibilité pour gain activité la pluie ça yo et jodi encore n'a bon température qui a monté jusqu'à 32 degrés Celsius pendant journée elle a fait chaud et en fin de nuit la descend jusqu'à 20 degrés Celsius. C'est une mer qui agité sous en côte nord et côte sud, mais golfe Aragonave c'est yon mer qui belle a peu agité, mais pour côte nord là avec côte sud là nous le capitaine Bakasse précaution avec prudence parce que la mer li a agité sous deux zones côte pays d'Haïti. Et pour page astronomique nous gon soleil cap coucher jodi à très tard à 7h00 et la lever d'un matin à 6h54. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité avec attention, n'a croisé demain pour une autre page météorologique. Merci à Wilner Polidor. J'en ai annoncé lundi, président République là, Jovenel Moïse, visité samedi 17 mars là plusieurs projets caravane changement qu'a réalisé dans le département Sud. Dans cette visite ça, chef l'État a gardé travail qui rajivier la ravine dans niveau bananier commune Camperin. Il visité tout ou asphalte qui commençait fait dans Kafou méridien pour arriver diocèse à plusieurs autres chantiers. Nous invitons à suivre un reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. 7 mois après lancement caravane changement dans le département sud-là, c'est avec satisfaction président République Jovenel Moïse constate résultat travail. Route qui finit asphaltée et puis ça qui en construction. Tant coup, route bétonnée dans Simon, route en asphalte Kafou Jout pour arriver Saint-Jean-du-Sud, route Kafou Méridien pour Albout Diocèse. Il y a une série de promesses qu'a réalisé. On croit que jodi a rôle presse dans pays d'Haïti. C'est commencer montrer population travail qui fait dans le sud pendant 7 mois. Ça veut dire nous dans zone merçant, c'est ça, nous dans zone côté l'homme prend décision, me dit route fait gros ami qui rit équipement qui sous terrain zami a mandé nèg est-ce que vous fou là on dit oui l'a fait m'a parlé de moi Jean nous en masse là. Décision en prend, route ça, l'y construit, et si nous regardons, l'homme saute passer devant l'hôtel Le Recul, moi pas même compte l'homme passer devant. Son monde qui est dans la machine qui dit, c'est devant l'hôtel Le Recul, parce que nous avons vu dans l'hôtel, la route là c'est tellement pas bon, je ne pas même rendre compte l'homme passer devant. Ça veut dire tout le travail ça, que nous avons réalisé dans le département,
Nous voulons dire, c'est avec support par peuple haïtien qui te couru nous pendant la première année pour voir ça, qui te permet avec l'État, mes ressources que nous avons, nous travaillons, nous faisons. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, avec l'ambassadeur Canada qui est là ensemble avec nous, ministre des Travaux publics, député Bertin, qui est député de circonscription, coordonnateur caravane, nous là, nous comptons pour qui? C'est pour nous dire, communauté internationale là, aujourd'hui, c'est ça, nous avons cherché un partenariat pour nous capables de travailler ensemble avec eux pour que l'aide internationale là, nous mettre au service du développement. Même j'en ouvre les mettre l'État au service peuple là. Mon nan commune ak section yo pas caché contentement yo de ce que travail caravane nan vin retirer yo nan poussière ak la boue. Nan maniche ak mersan, moun yo te même mette bonne deyò ak plusieurs pancartes qui exprimer sentiment yo. Chef l'État a été invité ambassadeur canadien André Frenette dans Vireron ça. Une façon pour aider pays amis Haïti yo comprendre travail caravane nan a fait dans pays ya et puis ouais retomber immédiat yo sous population. Une rencontre déroulée vendredi 16 mars là en président de la République la Jovenel Moïse avec les locaux yo dans localité Saint-Or commune Akaye. Rencontre ça fait dans centre spiritualité et animation frère Armand Franklin a dirigé. Commémoration 215e l'année création drapeau à différents besoins communes lente et en même temps des baillots. Il y a un autre reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Autorité commune Cabaret à Kakaye participer dans réunion ça pour défendre intérêt de communio cap fait face à divers problèmes et spécialement dans affaire route, de l'eau potable et énergie. N'a pas recevoir président ça son goûter lié. Son goûter parce que 18 mai va arriver. La brosse te voit encore 18 000. Mais je dis à son goûter, et dans le goûter, nous avons tant de présidents annoncer qui ça l'a banou dans le goûter. Le goûter a commencé bon pour les 18 000 arrivés pour nous manger gros plat manger. Visite président République, Jovenel Moïse, dans Akaye, c'est pour rencontrer avec frère Armand Franklin, mais tout pour présenter mon Akaye, vision administration là pour commune ça, pour localité Saint-Or qui très négligé dans la commune. Là. Femme dit nous avec mairie Akaye dans pile travail que nous avons fait pour faire dans la commune. Nous avons battu pour que bon terrain football moderne parce que nous félicitons que Akaye dans la première division. Même le Akaye champion sous Saint-Louis du Nord, dans le pays chef cabinet, Akaye bat Saint-Louis du Nord, je dis à Akaye dans la première division. Nous avons dit nous, mon Akaye, travaille rapidement pour Akaye pour terrain qui respecte les normes internationales. Avec dit que quel que soit que ton monde soit toujours dans une zone football sous lui. Mais avec magistrat, avec député, il y a un tas qui fait pour que terrain a le fait dans le Carrefour Bois. Côté qu'il y a un gros espace pour nous faire un bel terrain. Avec dit que nous avons un terrain normal pour Akaye. Dans pile bagaille que ensemble, dans l'harmonie que l'exécutif là. Gagner avec collectivité. Dans le travail que le Premier ministre a fait, je ne vais même pas songer combien de voyages le Premier ministre a fait à Akaye déjà. Tellement le Premier ministre vient à Akaye souvent pour voir les problèmes qui gagnent pour nous résoudre ensemble. Visite chef l'État dans Akaye vient à environ 2 mois, commémoration 215e anniversaire de drapeau. Président Jovenel Moïse dit l'a respecté pendant le mandat là toute promesse qu'il fait mon Akaye pour bon développement zone ça. Merci Sabine et Jean-Naël. L'autre information dans le journal là, commission spéciale qui travaille sur l'amendement constitution organisée vendredi 16 mars 2018 là, une séance travail avec plusieurs organisations femmes dans le cadre de consultation sur projet amendement Maman Loi PIA. Président commission spéciale qui travaille sur l'amendement constitution député Jerry Tardieu, félicité organisation femmes qui déjà fait diverses recommandations sur projet amendement constitution parmi eux, processus égalité femmes. Mais vous suivez. C'est gagné parlement dans la Chambre des députés. Il y a une rencontre à la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution avec plus que 26 organisations qui ont gouvernement pour les droits femmes en pays. C'est toujours dans le cadre de consultation nationale
pour nous rencontrer tout secteur pour nous prendre disons la question amendement. Naturellement, nous-mêmes dans la commission, nous estimons que pas une consultation nationale possible sous par les femmes qui représentent 52% dans la société. Ça veut dire sous par les femmes ou par la femme ou consulter. Au moment de comment est la question constitution, eh bien, je pense que pas de processus inclusif. C'est dans ce sens ça que nous avons fait appel à ensemble organisation féminine qui travaille dans tout le pays. Nous avons dit mettez tête ensemble pour faire une proposition consensuelle. Je dis à plus que 26 mettez ensemble, dont Famiola, que nous connaissons très bien, avec appui des gens comme Daniel Magloire, comme Marie-Laurence Tasseg, qui sont des aînés dans le mouvement Bataille Femme, qui conseillent, qui supportent, qui encouragent, qui ont bel résultat ça. Je dis à recevoir. Et officiellement, député Raymond Rival, qui c'est seule femme qui a siégé dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, de recevoir au nom de la commission un document ça, que le commissaire va bien garder pour que nous prenions en considération dans le cadre de la rédaction prochain amendement constitutionnel qui a bien été. Femme est capable d'aider plusieurs gens. Et il y a une question qui a été posée, une revendication qui a été gagnée. Est-ce que vous êtes capable de gagner un statut d'observation auprès de la commission? Et nous pas qu'à répondre à une question ça officiellement parce que comme président de la commission, moi j'ai d'abord pour consulter la commission pour m'assurer que demande ça allait approuver le 29 mars 2018, n'a pas un rapport d'étape que n'a présenté qui est intitulé ce que pense la nation. Son compilation de tout ça nous recevoir comme recommandation de tout secteur. Non seulement nous pour compiler mais nous pour faire analyse des grandes tendances qui sorti là-dedans. C'est pour la deuxième étape là, deuxième rapport. Et puis, rapport final là, bien entendu, là, sorti dans fin d'année. Alors, ça, c'est rapport, recommandation, amendement que la Constitution a présenté par la Chambre des députés. Inspection générale finance organisée vendredi 16 mars 2018 là, yon colloque dans Port-au-Prince sous thème synergie institution contrôle yo, yon facteur important pour améliorer gestion publique. Colloque ça, té occasion pour inspection générale financer exposer mission, objectif à réalisation institution Antimars Abdinoplis. Colloque ça fait dans occasion célébration 10 l'année existence institution ça. C'est un décret qui sorti 17 mars 2006 qui crée institution générale finance là. Côté une principale mission c'est vérifier et puis contrôler tout ça qui gagne pour ouais avec l'agent d'administration publique là. Guy Romero la tri reconnaître mission principale IGF là pas fin rempli. Sont 10 ans qui mitigé parce que quand même sous 10 ans nous réalisé 75 missions. Nous estimons que l'été doit plus, mais l'organiser dans un pays comme Haïti avec des problèmes logistiques énormes, avec des problèmes de toutes sortes, ou réaliser 75 missions sur 10 ans avec en moyenne une vingtaine d'inspecteurs, nous avons dit que nous avons une satisfaction, mais nous estimons que nous n'avons pas atteint tout ça que nous avons supposé atteindre, surtout pour la couverture de notre périmètre d'intervention. Parce que faut me rappeler que périmètre intervention nan li pa gen la dans seulement ministère et organismes autonomes yo li gen la dans tout collectivités locales yo li gen les programmes et les projets li gen différents l'autre bail que nous poko et toucher que n'a touché évidemment pour cela il faut qu'on ait non seulement les ressources humaines suffisantes mais également qu'on ait des espaces pour mettre ces ressources humaines parce que pour le moment nous partager espace noir avec le ministère de l'économie et des finances qui dans quelques mois évidemment pour aller dans nouveau local Yoa au palais des finances. Inspecteur général Guy Romero Latri dit qu'il est conscient qu'il y a un pile problème d'administration publique là. Pour lui-même, il est nécessaire pour toute institution qui a une mission contrôler l'État, mettre tête ensemble pour porter solution à un problème de corruption. IGF travaille en pile en collaboration avec l'ULCC. Métier principal IGF, ce n'est pas pour traquer fraude, pour aller sur des cas de corruption, mais l'on fait audit, l'on arrive à un côté ou tomber sur des cas présumés ou avérés de fraude. À ce moment-là, et comme l'IGF l'a déjà fait 4, 5 ou 6 fois et par le passé, il voyait Kassayo by la cour by l'ULCC justement et qui sévit. Bataille contre
corruption, sont une bataille de longue haleine. Ce n'est pas seulement en Haïti, mais on regarde des pays comme la France et comme l'Italie qui chaque jour a fait face à des cas de corruption. Mais il y a gagné tout. Des entités qui sanctionnent, il y a une justice et qui fonctionnent de manière sereine. Donc, ce qui fait que la crainte de la sanction l'y occasionner et on vertu est forcée quelque part. Donc, c'est justement toute chaîne ça, nous supposons gagner, qui pour faire que lutte contre corruption, hein, depuis yo, parler de lui, que vous parlez uniquement l'ULCC, mais que vous avez tout corps de contrôle qui en dans ce secteur public-là. Inspection générale finance, c'est une institution qui a fonctionné sous attachement avec le ministère économie et finance. Audit, vérification, contrôle, enquête, c'est parmi quelques missions organes de contrôle interne ça a gagné. Député circonscription Port-en-Piment, Daniel Le Temps, attire attention autorité police nationale sous phénomène insécurité qui a valé terrain dans la commune Port-en-Piment et dans l'autre commune dans le département Sidla. Vice-président commission justice et sécurité publique chambre député a mandé la justice mettre action publique en mouvement des présumés bandits qui a créé climat insécurité dans mi temps population qui a Moïse. Mais nous autres comme parlementaires et comme vice-président de la commission justice et de la chambre députée qui c'est votre serviteur Daniel Letang et député de Port-en-Piment, nous sentons consternés par ensemble de Zach Malhonnête Sao qui a privé dans le département, notamment à Akin, côté gagné plusieurs monde qui ont coupé tête ou pas joindre tête moun yo et pas grand action publique qui mettait en mouvement. Ça arrivé dans Tobek tout avant hier, côté coupé tête deux jeunes garçons, il y a pas gain action publique qui mettait en mouvement, paquet aurait été inactif. L'arrivé dans la circonscription Port-en-Piment côté gain plusieurs monde qui perdit la vie par des bandits sans foi ni loi, pas gain action publique qui mettait en mouvement. Ensemble de paquet ça pas jamais décidé pour mettre action publique en mouvement contre ensemble de bandits ça qui commettent infraction ça. Lançant ça, on a lancé un appel by supérieur hiérarchique ensemble de paquetiers, qui est le ministre de la Justice, pour y passer des instructions nécessaires pour que le paquet fait travail. Et la police nationale, tout, qui gagne comme supérieur le DG de la police, qui c'est M. Michael Gédéon, la police, chaque fois, victime yo allé bon côté pour porter plainte, la police toujours dit pas de moyens. Et nous-mêmes, tout comme députés de la zone, nous faisons constat que le commissariat tout n'a pas gain effectif pour répondre à ensemble de infractions qu'a commettre dans la circonscription ou dans la commune. Lorsque constaté un commissariat qui gagne deux policiers là-dedans, comment deux policiers prennent 20 000 habitants en sécurité? Et presque chaque 6 mois, il y a une graduation qu'a fait dans la police nationale, là, mais ne pas comprendre comment le déploiement est fait. Dans ce sens-là, dans le jour où nous venons, nous prenons pour nous inviter le DG de la police pour nous capables d'analyser la question de ça, dans le cadre du pouvoir constitutionnel, pour nous faire des telles recommandations que le droit pour la situation ça capable de corriger et pour les policiers capables de gagner effectif, commissariat capable de gagner un moyen effectif pour faire travailler. L'autre dossier Union nationale normalien haïtien UNO, célébré vendredi 16 mars, là, 27e anniversaire. Dans l'occasion, le coordonnateur UNOA Josué Emerilien présente un bilan sans action menée pour améliorer les conditions d'enseignement dans le pays. Suivons bout de nos déclarations. C'est le 11, 16 mars 2018. Ça fait 27 ans de lutte. Mais c'est de 27 ans de lutte pour porter dirigeant l'État haïtien et prendre responsabilité de la question d'éducation en Haïti. 27 ans gourmet pour. Et arriver à transformer la situation enseignant, la situation élève, conditions d'apprentissage élève, conditions de travail de vie enseignant. Mais c'est une lutte pour arriver à une école haïtienne de qualité, avec les femmes et les garçons qui ont besoin pour faire face à des défis aujourd'hui et des défis demain. Mais c'est une lutte pour nous arriver à améliorer correctement la situation de l'école là, qui est capable peut-être de permettre. Amélioration de la situation pays en tout.
Ministre Affaires sociales mette bout dans formation sous protection sociale qui était faite sorti 5 pour arriver 16 mars là dans hôtel Montana. Formation ça a été faite en faveur acteurs étatiques et non étatiques qui intervenir dans le domaine protection sociale en Haïti. C'était tout une étape importante dans l'élaboration d'un document politique et stratégique national protection sociale. Environ 70 cadres nationaux, secteur public ou privé, ont participé dans la formation. Il y a un extrait dans le micro Rose Vanessa Pierre et Michel Joseph. C'est un point de départ, c'est un signal clair. On nous dit déjà pour l'administration Moïse Lafontaine. Et un signal clair tout pour montrer que le ministère des Affaires sociales. Ce n'est pas peut-être le ministère des Affaires sociales pour penser que c'est affaire, tout ça qui concerne les affaires sociales dépend de eux. Tout ministère là, il est venu, il répond à l'appel et je me dis là, c'est tout le monde qui est impliqué parce que nous avons qui gens insécurité sociale là, on nous dit en gros terme qui gens lié. Et pas de monde qui est meilleur, qui est plus bien placé pour décrire, pour écrire, pour exiger qui gens ont remis changement que nous-mêmes. Alors, moi remercie encore tout partenaire qui là, moi remercie surtout cadre ministère affaires sociales qui te croit que nous te ka abouti, nous te ka réaliser rêve ça qui depuis 3 ans que y a baissé mais qui te comprend avec portefeuille direction générale te croit tout dans nous et partenaire nous tellement t'a poussé pour ça arriver que là nous arrivé déjà dans premier jet et monde qui pourra sortir dans noyau ça il y a gain pour continuer travail pour continuer mettre tête ensemble mettre connaissance pour d'ici mois de juin nous gagnons premier jet et même en tant que ça fait social me promettre que il y a bien appui et même c'est moi qui pourra porter comme porte parole pour défendre document ça au niveau du de Conseil des ministres pour yoka adopter li et pour nous ka pour finalement première fois que dans l'histoire Haïti on pral gagner un document qui englobe tout ça qui gagne pour dire sur protection sociale. Sous invitation secteur privé à faire président de la République la Jovenel Moïse fait un visite chantier vendredi 16 mars là dans projet construction zone franche du jour qui trouvait dans commune Croix des Bouquets. Chef l'État renouvelé l'autre fois volonté administration là pour soutenir toute démarche qui visait permettre citoyens de joindre job et puis faire l'argent. Sabine Jean-Étienne et Jean-Michel Duvernier dans le reportage. Zone franche tantôt du jour a construit sous environ 24 carottes. Espace ça pral recevoir 5 buildings qui bien la donne différents business. Une responsable zone franche ça André Aped expliquait diverses retombées positives projet ça après le gain sous population. Quand le projet de Santo du jour sera à maturité, il emploiera au moins 10 000 concitoyens et concitoyennes, mais surtout il coûtera près de 34 millions de dollars et il contribuera à près de 250 millions de dollars d'exportation par année. Ce qui représentera, à partir de l'activité de ses clients, ce qui représentera le quart de ce qu'Haïti exportait l'année dernière, de toutes les exportations haïtiennes. Parce que nous étions à 40, 45 et à un peu plus d'un milliard de dollars d'exportation, 250 millions, c'est le quart des exportations d'Haïti pour une petite zone franche comme ça. C'est rien du tout, mais c'est beaucoup dans l'échelle de ce que nous avons comme besoin de croissance économique. Les revenus de loyer ne représentent que moins de 3% des revenus d'une zone franche. Donc, ce n'est pas le loyer qui va enrichir. Ce sont les revenus d'activité à l'intérieur de ces édifices avec les clients qui amèneront les emplois et qui contribueront à la création de richesses et à la croissance économique. Président républicain Jovenel Moïse pas suspendre encourager secteur privé à pour contribuer dans bail économie pays à Jaret et spécialement dans créer business pour permettre citoyen yo joindre cob pour répondre à besoin yo. Yon fois entreprise a installé dans pays à c'est plus moun k'ap sorti dans chômage à grand goût. Ça qui allait dans ligne droite avec vision chef l'état. Si l'état ne joue pas son rôle. Cette croissance que nous rêvons tous. Nous ne l'aurons jamais. Le rôle de l'État aujourd'hui, c'est d'accompagner le secteur privé. Et nous sommes là à la tête de ce pays
pour rendre possible un secteur privé fort. Un entrepreneur n'a pas besoin d'être l'ami du président de la République, ni d'être du même parti politique que le président de la République. Un entrepreneur qui veut investir dans le pays, l'État a l'obligation et la responsabilité de faciliter l'investissement. C'est pour ça, ce matin, il y a le CFI qui est là, la direction des zones franches qui est là, pour dire aux entrepreneurs haïtiens et étrangers qui sont en train d'investir dans ce secteur que l'État est prêt. Je l'ai dit hier, c'est une opportunité. Je veux parler de la loi Help Hope, qui est une opportunité énorme pour le pays. Zone franche ça pral surtout attirer investisseurs qui dans domaine textile et puis pral bay un valet 10 000 jobs dans population. Voilà, après on pose dans le journal La Rite branché Naptone. Dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine réélu dimanche 18 mars là avec 76,67 voix. C'est plus bon score Poutine par jambe fait depuis 18 années gouvernance li, soit en tant que président ou soit premier ministre. Nous invitons à suivre un reportage. Moscou, Russie. Vladimir Poutine largement réélu pour un quatrième mandat dans tête pays la Russie avec 76,67% voix au dimanche 18 mars 2018 là. Vladimir Poutine cap dirige pays la Russie depuis 18 l'année, soit en tant que président ou soit premier ministre, réalisé plus bon score dans l'élection présidentielle et puis dépassé toute attente sondage te prévoit pendant dernière semaine sa yo. Président Poutine remercie plusieurs centaines partisans qui étaient réunis bon côté le dimanche 18 mars là. Poutine déclaré liwen en victoire sa confiance ak espoir peuple ya. Divers sujets qui créent en pile tension sur scène internationale là qui concernait la Russie pas suspendre faire débat tout en cours conflit syrien ou soit accusation ingérence russe là dans élection Donald Trump là ou bien encore confrontation est-ouest là qui vient plus compliqué depuis Londres accusé Moscou empoisonnement un ancien espion russe dans Royaume-Uni une accusation Vladimir Poutine qualifié sans fondement. Cependant Poutine déclaré li paré pour coopérer avec Londres dans enquête qu'il ouvre sous dossier ça. Nouveau mandat, Vladimir Poutine sous pouvoir à bout en 2024. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, dirigeant nord-coréen Kim Jong-un by parole li sous dossier dénucléarisation lundi 19 mars 2018 là. D'après déclaration ministre Affaires étrangères Corée du Sud là Kang Kyung-wa fait un moment visite li dans Bruxelles. Nous invitons à suivre l'autre reportage. Ministre des Affaires étrangères Corée du Sud, Kang Yong-wai, précisé dans moment visite l'Italie à Bruxelles, Kim Jong-un bay paroli sous dossier dénucléarisation. Il précise tout tout essai nucléaire avec tir missile doit camper pendant négociation yo avec président américain. Une déclaration qui sortit côté autorité sud-coréen yo dans moment visite chef diplomatie Corée du Nord dans pays la Chine dans Pékin après trois jours à parler avec Tokai Sudwali Margot Wallstrom. Plusieurs discussions qui doit bay possibilité pour planifier une rencontre entre Kim Jong-un avec Donald Trump. Dans l'actualité sportive là, volleyball, équipe magique là conserver tête classement ligue là après victoire sous Tiger 3-7-1 hier dimanche là dans gymnasium Vincent. À l'étranger, tennis haïtiano-japonaise Naomi Osaka remporté hier dimanche là tournoi Indian Wells côté Libat Daria Kotsakina 2-7-0. Président République là, Jovenel Moïse visité samedi 17 mars là plusieurs projets caravane de changement qu'a réalisé dans le département sud. Synergie institution contrôle yo, un facteur important pour améliorer gestion publique. C'est sous thème ça, inspection générale finance organisée vendredi 16 mars là, un colloque dans Port-au-Prince. Commission spéciale qui travaille sur amendement constitution organisée vendredi 16 mars là, une séance travail avec plusieurs organisations femmes dans cadre consultation sous projet amendement maman loi PIA. Dans page sport volleyball, équipe magique là conserve tête classement championnat ligue là après victoire sous Tiger 3-7-1 hier dimanche là dans gymnasium Vincent. Et puis à l'étranger tennis haïtiano-japonaise Naomi Osaka remporté hier dimanche là tournoi Indian Wells côté Libat Daria Kotsakina 2-7-0.
Eh bien, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Mais vite, on était branché, Télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonne semaine, tout le monde.